Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère vraiment que vous allez bien. On est mardi 4 juin, 17h45. Et je vous reprends dans un petit weekly vlog un peu particulier parce que du coup on est en train de refaire enfin ma chambre. Donc du coup je dors chez mon copain toute la semaine parce que du coup j'ai pas accès à ma chambre. Et qu'il n'y a plus rien dans ma chambre, vraiment c'est très compliqué. Donc pour me préparer et tout, bon tant pis c'est qu'une semaine donc c'est pas grave. Du coup ce matin je suis allée au boulot, ensuite on s'est un peu promené en ville avec Jules. J'ai rien acheté, je suis très fière de moi parce qu'à la librairie je voulais de nouveau tout débaliser. Mais je me suis dit reste tranquille. Ensuite je suis rentrée, je suis un peu allée au bain parce que aujourd'hui ce matin j'étais pas de très bonne humeur, je me trouvais trop moche et tout. Parce que comme j'allais un peu au travail en retard ces derniers temps, enfin je me réveillais en retard, j'arrivais pas en retard mais je me réveillais en retard. Du coup je me maquillais pas, je me coiffais pas, enfin j'avais juste des couettes. Mais comme vous savez quand vous dormez les cheveux mouillés, bah du coup vous avez tous les baby hair et tout qui partent, enfin bref catastrophe. Je suis allée travailler et tout, bref je me sentais super moche aujourd'hui. Du coup je suis allée prendre un petit bain, faire un petit masque, là vous voyez que ma peau quand même c'est beaucoup mieux. J'ai utilisé le nouveau Dyson, le lisseur qui sèche. Et franchement, mais c'est trop pratique quand vous avez pas envie de vous coiffer, mais juste d'avoir les cheveux séchés, ben ils sont un petit peu lisses. Franchement, ils sont pas mal brillants. Je sais ce que vous en pensez. Donc je valide de ouf ce truc-là quand t'es pressé et tout, c'est trop bien. Du coup, là, j'ai préparé mes affaires et tout, et on va aller chez Jules dormir. Et j'ai pris mon livre parce que j'ai pas lu hier. Je suis dégoûtée, ça me stresse ça aussi. J'aime bien. Attendez, j'ai un mail avec ma fiche de paye qui arrive demain, ça va faire plaisir. Mais du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, ça me stresse de pas lire. J'ai envie de voir comment je suis payée. Du coup, j'ai fait deux semaines, enfin trois. Là, je suis à ma troisième semaine. On dirait que je suis en train de regarder mes résultats des partiels. Babe, j'ai eu ma paye. Non mais elle est virée demain, là j'ai ma fiche de paye. Bah viens, je te montre. Non, c'est un dana plus. Bah non, c'est bien. Voilà, on est parti pour une nouvelle semaine ensemble. C'est cool parce que comme je suis chez Jules, ben j'ai pas besoin de rouler longtemps, donc je peux partir beaucoup plus tard. Ce matin je me suis rendu compte d'un petit souci. J'ai plus trop la mise au point sur moi là. Ce matin je me suis rendu compte d'un petit souci. En fait je voulais prendre rendez-vous là pour aller faire mes ongles parce que je pars en vacances le 16 juin. Sauf que ma PO est en vacances et je pouvais pas les faire avant en fait parce que j'ai pas envie d'avoir une repousse de 3 semaines sur mes ongles et j'ai pas envie d'aller en vacances en plus sans ongles. J'aime bien, vous savez, genre avoir des belles mains sur le soir et tout, enfin bref voilà, ça fait un moment que je les ai pas fait là en plus. Plus le budget hein. Je voulais prendre rendez-vous chez ma PO mais bah là c'est un peu mort, donc est-ce que je lui fais une infidélité et je vais chez une chaîne à Sarrebruck. Ça me fait chier en fait d'aller les faire à Sarrebruck parce que Sarrebruck déjà c'est pas la même qualité et je vais payer le même prix quoi. Sachant que normalement je voulais une French Léopard du coup pour mes vacances, sauf que si je retourne chez ma PO après mes vacances, 3 semaines après, parce que j'ai une fête de famille en juillet, donc j'ai pas envie d'avoir, enfin ça va pas avec ma tenue et tout, d'avoir des ongles léopard. Toute l'année je m'en fiche, mais du coup là pour donc du coup ça fait que je décale mes ongles léopard en septembre parce que du coup en août j'ai pas très envie d'avoir ça quoi. Et du coup là bah je sais pas quoi faire quoi parce que pour les vacances en fait. Ouah merde c'est l'heure, je vous parle pendant un quart d'heure là, pardon.
coup, je viens de rentrer du resto avec Jules. On était au DM parce que j'ai acheté un sac complet de cadeaux pour une abonnée à moi qu'il faut que je lui envoie. Et du coup, je vais faire un petit peu de ce que j'ai acheté. On a mangé aussi au resto, je vous l'ai montré. J'ai pas pris trop de trucs parce que je voyais tout ce que je lui prenais. Ça m'a coûté 1,5 €. Et en fait, au DM, on s'en rend pas compte parce que c'est genre des 1 € par là, 2 € par là et tout. Je te rends pas compte, mais en fait, bref. Ah oui, j'ai pris aussi un cadeau pour ma cousine parce qu'elle a... Elle nous invite à son anniversaire la semaine prochaine. Enfin bref, j'ai pris ça parce que je me nourris de galettes de riz avec du chocolat. J'espère, j'ai pas l'impression qu'il soit au lait. Moi, je préfère au lait, mais il n'y avait plus que cela. Et j'adore ça, vraiment, c'est incroyable. J'ai pris aussi des petits rasoirs comme ça, Vénus Tropical Gillette. Voilà, parce que t'as mettre 10 balles dans un rasoir, ça me fait mal au cul, hein, je vais pas vous mentir. Sont très mimes. Bref, j'en avais besoin. Et j'avais besoin aussi d'un shampoing sec. Pareil, 4 balles le shampoing sec Baptiste. J'ai pris le blush parce que ça reste mon préféré, celui pour les blondes. Il est jaune donc ça me gonfle. Enfin bon, voilà, je vous ai fait mon petit haul course. Jules il est parti. Du coup, moi j'ai chez lui aujourd'hui. Et il faut que je monte la vidéo de ce soir. Et je vais lire un petit peu, me détendre, faire ma petite sieste. Donc voilà. J'ai plus trop de batterie. On est jeudi 6 juin. Il est 17h30. Hier, je suis allée en vitesse acheter un adaptateur pour mon ordi. Parce qu'en fait, je pensais que Jules en avait un pour un TASD. Mais en fait, il n'y en avait pas. Et de hier, ma vidéo que j'avais tournée exprès, là, l'énorme boucle, ben, devait sortir. Parce que le mercredi, c'est ma vidéo de lecture, quoi. Là, il est 17h30. Je me suis préparée. On va manger avec les parents de mon copain. Ce matin, je me suis levée grave en retard. Et du coup, pas hier, ma vidéo a pu sortir. J'ai fait vite le montage. Bon, elle est sortie un peu en retard. D'habitude, elle sort à 18h. Mais mon père vient de m'envoyer un message parce qu'il m'a acheté mon téléphone. Je suis trop contente. En fait, j'ai ce téléphone-là, l'iPhone 8 Plus, depuis mars. Parce qu'en mars, en fait, ma maman, elle a voulu nettoyer mon téléphone qui était brisé au niveau de la vitre. Et du coup, il a pris l'eau. Et donc, j'avais ça de remplacement. Et il m'a dit, si t'as ton année... J'adore. On est vendredi, il est 15h et j'ai mon nouveau téléphone. Je suis trop contente, j'ai créé grave du contenu tout pour TikTok parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu des vidéos avec une bonne qualité. Et j'ai retrouvé mon bébé chien. Je vais vous faire un petit haul Zara parce que je vous ai dit, je suis allée manger avec les parents de Jules. Sushi, je suis aussi passée chez Zara. Et du coup, là, je fais plein de... J'ai fait plein de TikTok et tout sur plein de trucs. D'ailleurs, mon copain m'a ramené le magazine, vous savez, avec le t-shirt Mage. Du coup, j'en ai fait un TikTok, je viens de le poster. Voilà, voilà. Ok, je mange des petits nounours comme ça, guimauve. J'adore avec du chocolat, c'est excellent. Et voilà quoi. Donc là, je fais un peu de création de contenu et je vais finir mon livre. Je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai pas pris. Je vais finir mon livre là maintenant. Ouais, j'ai plein de choses à faire. Là, j'ai préparé mes affaires. J'ai préparé mon colis pour la gagnante. Enfin, pour un concours. J'ai préparé un colis pour une abonnée. J'ai raconté n'importe quoi. Du coup, voilà, ça c'est fait. Après, il faut que j'aille récupérer des colis. Il faut que j'aille m'acheter une coque et mettre une vitre blindée. Parce que je peux pas rester comme ça. C'est impossible, vraiment. Et je redors chez mon copain parce que ma chambre, ça a bien avancé. Mais je peux toujours pas remettre mes meubles. Donc voilà. Et ouais, du coup là j'aimerais finir mon livre parce que j'aimerais du coup commencer. J'ai plein de contenu en retard sur TikTok parce que j'attends d'avoir une bonne qualité. J'en pouvais plus, ma qualité de merde, hein, je vais pas vous mentir. Et là il faut que je monte, par exemple je viens de poster tourner un TikTok sur le déballage de ma caméra. Donc je vais le faire. Il faut que je finisse mon livre pour débuter un peu de lecture sur TikTok.